monte, soit sur la marchandise pour que ça finisse. Je suis Madame Faye Antoinette, présidente de la coopérative des vendeuses de porc de Gabriel Gain. J'ai commencé ce commerce très jeune, depuis 78 ans, étant à l'école primaire. Et de toutes les, partant de toutes les choses, il faut apprendre à côté de quelqu'un. Donc, j'ai commencé avec ma mère, je peux voir. Après, quand ma mère est décédée, j'ai pris le relais. Et je vais vous parler de la viande, de la commercialisation de la viande du porc, ce n'est pas facile. Mais quand tu veux atteindre un but et quand tu veux être indépendante, il faut t'accrocher à quelque chose. Ne pas aller à l'école n'est pas une fatalité. Il faut aussi te battre pour arriver. Et notre but, c'était quoi? C'était la viande de porc était beaucoup négligée, surtout en Afrique comme en Côte d'Ivoire. La viande de porc était traitée de tout. D'un animal sale, gras, et etc. Et aujourd'hui, notre but, on l'a atteint. On avait quelque chose en tête, c'était d'emmener les Africains, les Ivoiriens à consommer cette viande. Aujourd'hui, c'est un acquis pour eux. Moi, je travaille précisément avec 16 femmes. Pourquoi? Pas parce que je suis débordée, j'ai beaucoup d'argent, mais aussi dans le cadre d'aider ces filles-là, dans le cadre de leur apprendre aussi ce que je fais, pour que je sois autonome. Moi, je peux dire que j'ai 40 ans d'expérience aujourd'hui. Et quand on parle du port, on ne peut pas dire mon, on ne peut pas s'en passer de mon nom, parce que je me suis donné, j'ai pris toute ma force et mon esprit pour dire que je vais le faire. Quelles que soient toutes les difficultés que je vais traverser, je vais arriver.